Les anniversaires, c'était mieux avant. Mais vous savez pourquoi? Eh ben, j'ai voulu le dire. En général, quand t'es môme, il n'y a qu'une chose qui t'intéresse. C'est les cadeaux. C'est généralement ce que t'as dans le plus aussi. Moi, perso, quand il y avait mon arrière-grand-cousin du côté de ma mère, je m'en foutais un peu. Surtout quand fallait ouvrir les cadeaux. Les cadeaux, des cadeaux. Il y en avait 36. Le problème, c'est que cette période cadeau, elle dure généralement pas trop longtemps. À partir d'un certain âge, il se casse plus la tête. Je suis sûr que t'as déjà entendu cette phrase. Tiens, voilà 20 euros, tu t'achèteras ce que tu voudras. Alors quand t'es petit, c'est cool, tu peux t'acheter toi-même des cadeaux. Wouhou! Ou la drogue. Et le souci majeur, je dirais, c'est que ça change un peu d'utilité quand tu vieillis. Wouhou! Un chèque de 200 euros! Je vais pouvoir me payer l'électricité, internet, un petit bout du loyer. Merci, mamie. Les fêtes d'anniversaire. Bah ça aussi, c'était mieux avant. Non, je m'énerve pas. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, j'arrivais aux anniversaires déguisés. On allait jouer toute l'après-midi et après t'allais bouffer des bonbons jusqu'à l'overdose. Maintenant, tu peux toujours taper des overdoses. C'est un peu moins fun. Mais le plus dur, c'est le passage entre les deux époques. Pour la petite histoire, j'arrivais toujours déguisé en Superman chez mes copains. Jusqu'au jour où on m'avait pas prévenu que c'était pas une soirée déguisée. J'étais le seul avec un slip rouge sur le jean. En gros, c'était un peu ça. Viens pour la fête. Peut-être essaye là-bas, si j'y suis. 3. Trois. Avant, pour te souhaiter ton anniversaire, les gens te téléphonaient, t'envoyaient des SMS, t'écrivaient, ils se souvenaient de toi. Maintenant, comment dire... Merci Facebook! Ça fait quand même mal au cul de se dire que tu reçois des joyeux anniversaires uniquement parce que Facebook leur a dit que t'étais né ce jour-là. Le pire, c'est quand même ceux qui mettent merci Facebook à la fin de leur message. Ça veut dire que t'avoues toi-même que même sans ça, tu serais pas foutu de me le souhaiter le jour même? Pour la petite histoire, sachez que ma grand-mère est inscrite sur Facebook. Elle reçoit un mail de Facebook en lui disant que c'est bientôt mon anniversaire. Elle me le souhaite une semaine à l'avance. Mais elle, elle s'en souvient plus. Nicole, si tu m'écoutes, je suis né le 13 août. Cette vidéo est déjà finie. Et oui. Mais on se revoit bientôt. Et oui, je fais des vidéos tous les 1000 ans. Et alors? Il faut inciter les gens à suivre mes vidéos et à s'abonner à ma chaîne. Je vais faire une blague. Je vais faire une blague. Parce que si chacun invitait 1000 de ses plus proches amis, on fêterait bientôt les 50 000 abonnés. Et oui. Je suis aussi sur Twitter. Je suis aussi sur YouTube. Alors à la prochaine.